C'est bon? On est parti. Bon, bonjour à tout le monde. Vous avez failli être en délai. Bon, on va donc aujourd'hui attaquer la sixième partie de cette affaire qui va concerner l'énergie nucléaire. On va recommencer comme d'habitude en s'intéressant au dictionnaire, ou plus exactement en essayant de bien définir ce dont on va parler. Alors l'énergie nucléaire, on va commencer par utiliser une lapalissade, parce que lapalisse souvent est fort utile quand on parle d'énergie. C'est une énergie qui est dérivée de ce qui se passe dans le noyau d'un atome. Vous savez que dans les atomes, il y a de l'énergie qui est utilisée pour la liaison entre les nucléons. Et l'énergie nucléaire va consister essentiellement à essayer de capter une partie de l'énergie que les noyaux contiennent, à la fois sous forme d'énergie de liaison et tout simplement sous la forme de la masse des particules qui le composent. Il y a deux manières d'essayer d'utiliser cette énergie. La première consiste à utiliser un gros noyau qu'on va casser en petits morceaux, et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie en passant. La deuxième version, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça consiste à essayer de réunir plusieurs petits morceaux en un gros, et vous allez aussi voir pourquoi est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie dans ce genre d'opération. Et dans les deux cas de figure, on va profiter de cette petite équation que vous connaissez probablement, c'est-à-dire de l'équivalence entre énergie et masse, et en fait, on va profiter d'un défaut de masse qui apparaît lors de la réaction et qui va donc fournir de l'énergie. Alors ce défaut de masse qui fournit de l'énergie, en fait, il consiste à se déplacer sur ce diagramme qui représente l'énergie de liaison par nucléon en millions d'électronvolts, c'est ce que vous avez sur l'ordonnée ici, en fonction de la masse atomique du noyau que vous êtes en train de regarder. Alors faites attention, la masse atomique, ce n'est pas le nombre de protons, hein, il s'agit bien du nombre de nucléons, c'est l'ensemble nucléon plus protons. Vous voyez que quand on est sur des éléments très légers, l'énergie de liaison a tendance à ne pas être très élevée. Au fur et à mesure qu'on va vers le fer, qui est l'élément le plus stable que nous ayons, l'énergie de liaison augmente. Et puis après, quand on continue à grimper dans les masses atomiques, eh bien l'énergie de liaison par nucléon a tendance à diminuer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vu ça? Eh bien, on peut se dire que si on arrive à faire aller un noyau léger, si on arrive à rapprocher suffisamment des noyaux légers pour qu'ils aient envie de s'assembler, on va partir de noyaux dans lesquels l'énergie de liaison n'est pas très élevée pour arriver à un noyau dans lequel l'énergie de liaison est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire un noyau plus stable. Et vous savez que aller vers la stabilité, c'est toujours quelque chose que les systèmes aiment beaucoup faire en physique. Et là, il va s'agir de fusion. Alors en fait, si vous regardez la masse des noyaux initiaux que vous prenez et la masse finale des noyaux que vous obtenez, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un défaut de masse quand vous allez de l'un vers l'autre, et ce défaut de masse va se retrouver pour partie dans l'énergie de liaison accrue du noyau qu'on a formé et pour partie libérée sous forme d'énergie cinétique ou de rayonnement, c'est-à-dire de photons. Alors quand vous allez des noyaux légers vers des noyaux plus lourds, c'est la fusion, une fusion dont vous allez voir dans pas longtemps qu'on est très content qu'elle existe. Et puis vous pouvez aller dans l'autre sens, c'est-à-dire aller des noyaux lourds vers des noyaux plus légers. Et à ce moment, on parle de fission. Ici, vous avez schématisé quelque chose sur lequel je reviendrai dans le courant de ce cours, qui est ce qui se passe sur un noyau d'uranium qui reçoit un neutron à la bonne vitesse, c'est-à-dire à la bonne énergie, et qui va mal le digérer et se casser en deux derrière. Alors, la fission qui est la plus couramment utilisée dans les réacteurs actuels est celle de l'uranium, mais vous allez voir que là aussi, il n'y a pas que cet élément qui soit doté de cette propriété. Donc en gros, hein, vous avez ici une courbe qui vous donne la stabilité en fonction, la stabilité atomique en fonction du nombre de nucléons que vous avez dans l'atome, enfin dans le noyau, et tous les réactions nucléaires suivent la propension qu'ont les noyaux à essayer d'aller vers le sommet de cette courbe. Encore une fois, la stabilité maximale est obtenue pour le noyau du fer, ce qui veut dire que le système dans lequel vous avez atteint une stabilité absolue, c'est-à-dire tout l'univers était transformé en un bloc de fer, là, il n'y aurait absolument plus rien à en tirer.
Alors, quelque chose qui est important, c'est que vous voyez que sur la courbe que je viens de projeter, les énergies de liaison, et donc les énergies qu'on va mettre en jeu quand on va modifier la manière dont les nucléons sont assemblés dans un ou plusieurs noyaux atomiques, est typiquement de l'ordre de quelques millions d'électronvolts. Donc une réaction nucléaire, ça met en jeu par atome, ou par noyau plus exactement, une énergie qui est typiquement de l'ordre de grandeur du million d'électronvolts. C'est ce que je vous avais déjà dit au cours du premier cours, 1 million, même en train de digérer, vous savez que c'est 1 million de fois plus grand que 1. Donc c'est typiquement des énergies qui sont 1 million de fois plus élevées, à masse identique, que l'énergie qu'on va avoir dans une réaction chimique. Alors je prends l'exemple de la combustion du carbone, donc de l'oxydation du carbone. Eh bien, vous prenez un atome de carbone et vous l'oxydez, l'énergie qui va être mise en jeu, qui va être libérée plus exactement par l'oxydation du carbone, qui est là pour le coup un réarrangement d'orbital des électrons, c'est quelques électronvolts. Si vous arriviez à fusionner les atomes de carbone pour faire quelque chose d'un peu plus lourd, eh bien, à ce moment, vous avez plutôt des énergies de quelques millions d'électronvolts qui sont mises en jeu. Une autre manière de dire encore la même chose, exprimée en des termes, j'allais dire, plus grand public, c'est de dire que dans un gramme de plutonium, par exemple, ou d'uranium, enfin l'uranium ça fissionne pas en totalité, mais un gramme de plutonium, on va dire, fissionné en totalité, vous libère autant d'énergie que la combustion d'une tonne de pétrole. Vous pouvez retenir cet ordre de grandeur, hein, c'est que l'énergie nucléaire par unité de masse, elle libère des quantités qui sont 1 million de fois supérieures à l'énergie chimique. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que ça ne va pas se gérer exactement avec les mêmes dispositifs, que ça ne va pas mettre en jeu des masses qui sont exactement équivalentes. On travaille sur des masses et des volumes qui sont beaucoup plus petits. Une chose qu'il faut commencer par dire, c'est que l'énergie nucléaire est totalement indispensable à la vie, mais vraiment extrêmement indispensable à la vie, puisque c'est grâce à l'énergie nucléaire que nous avons ceci. Et si nous n'avions pas ceci, eh bien ma foi, nous ne serions pas dans cette salle pour nous parler de l'énergie nucléaire ou pas nucléaire. Vous avez là une très belle photo de l'observatoire spatial qui s'appelle SOHO, du Soleil. Alors vous voyez que je vous donne des nouvelles fraîches, puisque ça c'était la tête qu'il avait hier à 19h20. Et hier à 19h20 il allait bien, vous voyez, donc il rayonne, et tout va très bien. Donc cette énergie nucléaire, vous allez voir qu'elle est à l'origine de la quasi-totalité des autres formes d'énergie, et même la totalité si on inclut les étoiles passées, de toutes les formes d'énergie que nous utilisons aujourd'hui. Sans l'énergie nucléaire de la génération d'étoiles qui a précédé le Soleil, il n'y aurait pas non plus la planète Terre. La planète Terre existe, elle est constituée d'éléments qui ont été forgés dans le creuset des étoiles plus anciennes. D'abord, on a fusionné de l'hydrogène pour donner de l'hélium, puis on a fusionné de l'hélium pour donner des éléments plus lourds, du carbone, de l'oxygène, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à des noyaux extrêmement lourds. L'uranium, dont on va abondamment parler au cours de ce cours, on le doit aux réactions qui ont pris place dans la génération d'étoiles qui a précédé le Soleil. Donc ces étoiles, elles ont terminé leur existence, elles ont envoyé des poussières un peu partout dans l'univers, et une partie de ces poussières se sont retrouvées autour du Soleil en formation, se sont condensées et ont fait la planète sur laquelle il fait si bon vivre aujourd'hui. Donc l'énergie nucléaire ou du Soleil, et vous allez voir encore une fois qu'elle fournit toutes les formes d'énergie ou à peu près que nous utilisons sur Terre, ou d'étoiles plus anciennes, est quelque chose qui permet et à la Terre d'exister et à la vie de prendre place sur Terre. Alors rentrons un tout petit peu plus dans le détail. À peu près toutes les énergies renouvelables sont la conséquence directe de l'énergie solaire. Une première forme d'énergie renouvelable, c'est par exemple la biomasse. La biomasse, c'est le résultat de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est directement l'énergie du soleil. Une deuxième forme d'énergie renouvelable, c'est l'hydroélectricité. Pour que vous ayez de l'hydroélectricité, il faut que vous ayez un cycle de l'eau, hein. Il faut que le système climatique se charge, parce que c'est quand même très pratique qu'il le fasse, de remonter l'eau en altitude via l'évaporation, de condenser l'eau sur des reliefs élevés, puis derrière de concentrer l'eau dans des barrages, on verra ça plus tard. Mais donc sans cycle de l'eau, il n'y aurait pas d'hydroélectricité, et sans soleil, il n'y aurait pas, sans alimentation de la machine thermique qu'est la machine climatique, vous n'auriez pas de cycle de l'eau. Même motif, même punition, le vent est directement dérivé de l'énergie solaire. Le vent est le résultat de la convection atmosphérique et ça n'existerait pas sans énergie solaire. On peut bien évidemment utiliser la chaleur en direct
ou exactement le rayonnement en direct, soit pour faire de la chaleur, soit pour faire de l'électricité. Tout ça, on en parlera les fois prochaines. Après, les énergies fossiles, comme je vous l'ai expliqué lors d'un cours précédent, c'est également de l'énergie solaire, sauf qu'elle est un peu plus vieille que l'énergie qui a fait pousser l'arbre qui a 50 ans ou un siècle, puisque celle-là, elle a plutôt 50 millions d'années ou 300 millions d'années. Mais c'est aussi de l'énergie solaire, donc de la fusion. Et puis, ça a été un peu chauffé dans la croûte terrestre par la géothermie. Il se trouve que la géothermie est le résultat de la radioactivité naturelle des roches, encore de l'énergie nucléaire. Et bien évidemment, M. de la Palice est encore d'un grand secours, l'énergie nucléaire qui consiste à casser les noyaux d'uranium en deux, elle est tout à fait nucléaire. Donc, et si on rajoute le fait que la Terre et la Lune ont été formées par des sont constituées d'éléments qui ont été forgés dans le creuset d'étoiles anciennes, eh bien vous rajoutez la géothermie et l'énergie marémotrice, parce que pour l'énergie marémotrice, il vaut mieux avoir une Lune, eh bien tout ça, c'est le résultat de réactions nucléaires plus ou moins anciennes. Donc n'importe quand, entre il y a quelques minutes pour ce qu'on reçoit aujourd'hui, et il y a quelques milliards d'années, ou quelques gros milliards d'années, pour les éléments forgés par la génération précédant le Soleil. Donc tout est nucléaire. Voilà. En gros, si l'énergie nucléaire n'existait pas, nous n'existerions pas non plus. Hein. C'est évidemment pas comme ça que la majeure partie de vos concitoyens voient l'énergie nucléaire. Ils voient pas ça comme le berceau de l'humanité. En général, ils ont plutôt une opinion qui est pilotée par d'autres considérations. Et en particulier, quand on parle d'énergie nucléaire, on va simplement voir les applications humaines de cette énergie, c'est-à-dire le fait que, dans des machines qui sont conçues pour ça, nous soyons devenus aptes soit à casser des noyaux lourds, soit, pour de brèves périodes de temps, et sans que pour le moment ça soit commercialement exploitable, j'y viendrai à la fin de ce cours, à fusionner des noyaux plus légers. Ce que voient donc les êtres humains, c'est la manière dont les hommes ont géré cette technologie particulière, et la première fois qu'ils ont vu à grande échelle comment était gérée cette technologie particulière, ça a donné ça. Et ça, évidemment, on ne trouve pas ça très rigolo, on espère même que ça ne va pas recommencer demain matin. Et puis on a même perfectionné le dispositif, et ça a donné ça. C'est-à-dire que les premières applications ou de la fission de noyaux lourds ou de la fusion de noyaux légers, on les a vues à grande échelle quand ça a fait boum. Évidemment, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est essentiellement pas de ça. Je vais vous parler de la manière de produire de l'électricité, en attendant peut-être autre chose, avec de l'énergie nucléaire. Avant d'en venir là, je vais finir la parenthèse sur le nucléaire militaire. Je ne vais pas vous en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme toute application militaire, je ne sais rien dessus, puisque l'essentiel des applications militaires sont couvertes par le secret défense. Donc je ne suis pas plus compétent pour parler du nucléaire militaire que je ne suis compétent pour parler de n'importe quoi d'autre qui serait dans les cartons de la DGA ou de n'importe qui d'autre. Et qui serait couvert par le secret défense. La deuxième raison, c'est que rejeter le nucléaire civil à cause du fait qu'il a démarré avec des applications militaires est quelque chose qui, vous allez le voir à la fin de ce cours, ne changerait malheureusement pas grand-chose à la destinée du nucléaire militaire parce qu'il vit sa propre vie de son côté avec des déterminants qui ne sont pas, ou très peu, le fait qu'on ait des centrales électrogènes. Et enfin, si vous regardez l'histoire des hommes, il faut malheureusement se rendre à une évidence, c'est que beaucoup de ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, à commencer par Internet, a commencé par naître dans des laboratoires militaires. C'est ainsi, c'est le côté obscur de notre force, qui fait qu'il y a beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui d'un grand bienfait dans le monde civil, qui ont démarré leur vie dans des laboratoires où on cherchait à s'en servir pour zigouiller le plus grand nombre de personnes possible. Et malheureusement, une fois qu'elles ont démarré comme ça, refuser leur usage civil ne modifie que très peu, et encore une fois, il faut plutôt s'en plaindre que s'en réjouir, leur destinée militaire. Si maintenant on parle de la partie civile, donc des applications nucléaires et de la génération d'électricité avec ce genre de dispositif, eh bien vous avez là résumé à grands traits ce qu'est une centrale nucléaire électrogène. En gros, il s'agit essentiellement de faire bouillir des grandes quantités d'eau sans avoir besoin de recourir aux combustibles fossiles et pour pas trop cher. Voilà, c'est très exactement ça, une centrale nucléaire, c'est avant toute chose une bouilloire très compliquée.
C'est très compliqué parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on manipule des éléments qui mettent en œuvre des densités d'énergie un million de fois supérieures à ce qu'on manipule, enfin aux éléments que l'on manipule quand on fait brûler ou du gaz, ou du charbon, ou du pétrole. Sinon, pour le reste, c'est exactement pareil. Vous partez d'un tas de combustibles. Là, j'ai comparé, par exemple, charbon et uranium. Dans le premier cas, vous prenez du charbon, ben vous le faites brûler. Avec ça, vous chauffez de l'eau. Avec cette eau, vous créez de la vapeur. Et avec cette vapeur, vous faites tourner un alternateur. Et ainsi, vous créez de l'électricité. Eh bien, si vous prenez de l'uranium, c'est exactement le même principe. Vous faites fissionner de l'uranium. Avec ça, vous faites de la chaleur. Avec cette chaleur, vous faites bouillir de l'eau. Comme l'eau, en fait, qui va passer dans le cœur du réacteur est radioactive, c'est pas avec celle-là, en général, que vous attaquez en direct l'alternateur. Vous mettez un échangeur pour confiner la radioactivité dans ce qu'on appelle un circuit primaire. Et c'est avec un circuit secondaire qui a reçu cette chaleur et qui a été transformé en vapeur que vous allez attaquer un alternateur et faire de l'électricité. Alors, je vous dis une chose qui, à vous, et peut-être qui pour vous, est peut-être une évidence, mais je vous assure que pour le grand public, ça ne l'est pas. L'électricité produite avec une centrale nucléaire n'est pas plus radioactive que l'électricité produite avec une centrale à charbon. Alors vous, ça vous fait rire. Je vais vous montrer tout à l'heure juste un sondage d'opinion. Je vous assure que dans le grand public, et je reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois, le grand public, ça sera vos clients, ça sera vos fournisseurs, ça sera vos salariés, ça sera, etc. Hein? Vous allez être dedans, ce n'est pas des gens qui vous seront étrangers. Hein? Eh bien, pour le grand public, ce que je suis en train de vous dire, et qui encore une fois peut à vous sembler une évidence, c'est pas toujours acquis. Hein? Voilà, donc l'électricité qui sort d'un alternateur de centrale nucléaire est une électricité normale, ordinaire, on pourrait dire. Derrière, vous allez avoir dans un cas comme dans l'autre des résidus. Quand il s'agit du charbon, le résidu s'appelle des cendres, le résidu s'appelle du SO2 si vous avez du soufre dans le charbon, et le résidu s'appelle du CO2 qui est un déchet que nous mettons dans l'atmosphère et qui produit les effets que vous savez maintenant que vous avez eu droit aux deux séances qui portent sur la question. En ce qui concerne l'uranium, eh bien vous avez aussi des résidus dont je vais vous parler. Ces résidus s'appellent des déchets nucléaires et il faut les gérer. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez une machine thermique, donc vous avez besoin d'une source froide, dans un cas comme dans l'autre. Si vous montrez un aéro-réfrigérant à un Français, il pense centrale nucléaire. Si vous montrez un aéro-réfrigérant à un Américain, il va penser centrale à charbon. Du reste, pour ceux d'entre vous qui viennent d'Aix-en-Provence, il y a des gens qui viennent d'Aix-en-Provence dans la salle? Non? Personne? De Marseille? Ah, ben voilà, il y a deux Marseillais, vous connaissez la centrale de Gardanne? Oui? Non? Au pied de la montagne Sainte-Victoire. Enfin, on la voit très bien du haut de la montagne Sainte-Victoire. Eh bien, la centrale de Gardanne, qui est une centrale à charbon, qui vient d'être fermée, a de très beaux aéro-réfrigérants. Voilà, là, très beaux machins, comme ce que vous voyez sur la droite, là. Et c'est une centrale à charbon. Donc, encore une fois, la source froide est quelque chose qui est absolument indispensable dès que vous avez besoin d'une machine thermique. Et ça n'est pas propre au nucléaire. Du reste, vous vous rappellerez probablement ce petit graphique que je vous avais déjà montré, qui était le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale. Et le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale inclut notamment les rendements de conversion de chaleur en électricité quand la chaleur primaire est fournie avec du charbon ou du gaz ou de l'uranium. Et ces pertes de conversion font que n'importe quoi, entre 50 et 80% de la chaleur initialement fournie dans la centrale sert à chauffer les oiseaux. Voilà. Dans toutes les centrales thermiques, entre la moitié et 80% de la chaleur initialement produite sert à chauffer les oiseaux. C'est valable quelle que soit la manière de faire bouillir de l'eau. En 2003, ça fait maintenant 5 ans, donc vous étiez un tout petit peu plus jeune, mais peut-être que vous vous en souvenez, il y a eu pendant l'été ce qu'on a appelé une canicule, c'est-à-dire une vague de chaleur un peu intense. Et cette année-là, l'opérateur national qui s'appelle EDF a demandé des dérogations pour faire fonctionner les centrales électriques en rejetant dans les rivières de l'eau plus chaude que le seuil de tolérance réglementaire auquel ils avaient normalement droit. Ils ont le droit de rejeter de l'eau à je ne sais plus combien de degrés, et ils avaient, ou exactement de faire monter la température de la rivière à je ne sais plus combien de degrés, et ils avaient demandé la possibilité de dépasser ce seuil d'un ou deux degrés. Dans les 13 dérogations qu'ils ont demandées,
Il y en avait 7 qui concernaient des centrales nucléaires, dont la presse a abondamment parlé, et 6 qui concernaient des centrales à charbon, dont absolument personne n'a parlé. Donc la presse a retenu que les centrales nucléaires réchauffaient les rivières en période de canicule, mais bien évidemment, encore une fois, c'est vrai pour absolument n'importe quelle centrale thermique. Avant de rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une réaction nucléaire, pour finir ce petit panorama introductif, du nucléaire, qui en fait ? Un certain nombre de pays qu'on pourrait qualifier de pays industrialisés. Vous avez ici, je vous ai mis juste une indication, la part du nucléaire dans la production électrique d'un certain nombre de pays. Il ne s'agit pas de la production en valeur absolue. En valeur absolue, le premier producteur au monde, c'est les Américains. Mais les Américains, comme vous pouvez le constater là, ne font que 20% de leur électricité avec ce moyen. Simplement, comme ils font un quart de l'électricité mondiale, eh bien 20% d'un quart de l'électricité mondiale chez les Américains, ça fait beaucoup plus que 80% de l'électricité française. Enfin, ça fait pas beaucoup, mais ça fait significativement plus. Donc, aux deux extrémités du spectre, vous allez trouver d'une part la France, qui effectivement dispose d'une singularité qui est que 80% de l'électricité produite sur le territoire, il resterait à savoir si elle est effectivement consommée sur le territoire, parce que vous savez que maintenant il y a de plus en plus d'interconnexions entre les pays, mais 80% de l'électricité produite sur le territoire est d'origine nucléaire. Donc en gros, quand il y a 1 kWh de produit sur le territoire, 8 fois sur 10, il sort d'une centrale nucléaire. À l'autre extrémité du spectre, vous allez trouver la Chine. Et là aussi, si vous lisez les journaux, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un grand battage il y a quelques mois, je ne sais plus quand exactement, parce qu'il était question que la France vende quelques EPR à la Chine. Le nucléaire en Chine, c'est 2%, si ma mémoire est bonne, ou 3%, de la production électrique chinoise. C'est à peine la peine d'en parler. Hein. Plus de 90% de l'électricité chinoise est faite au charbon. Donc vous avez, voilà, puis alors après, vous avez un certain nombre de pays intermédiaires. En Europe, les gens qui sont des producteurs significatifs d'électricité nucléaire, ou plus exactement qui ont une part significative du nucléaire dans leur mix, vous les avez sur la partie gauche, donc vous avez la Belgique, si on excède les pays de l'Est, la Belgique, la Suède, la Suisse. Voilà, je dirais, dans notre entourage proche, les pays qui ont la plus grande part d'électricité nucléaire dans leur mix. Vous avez l'Ukraine, où est situé le fameux réacteur de Tchernobyl dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis derrière, vous voyez, vous avez des pays, beaucoup de pays européens ont un peu de nucléaire. Hein. L'Allemagne en a 30% pour le moment, les Grands-Bretons en ont 20%, les Espagnols en ont plutôt 17 à 20%, etc. Et bien évidemment, cette part, elle est amenée à varier à l'avenir, elle peut baisser, elle peut monter. Une chose intéressante à savoir, je ne vous ai pas amené le graphique, c'est que l'Europe est considéré par les spécialistes du nucléaire comme la zone géographique ou la région du monde où le jeu est le plus ouvert pour le nucléaire dans les 15 ans à venir. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir si ça va augmenter ou baisser. Par contre, dans toutes les autres zones du monde, c'est parti pour augmenter. Alors, maintenant qu'on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire parler du nucléaire avant de le définir, on va commencer à s'intéresser à ce que c'est que l'énergie nucléaire. On va rentrer un peu dans les détails. On va commencer par parler de la fission, pour l'excellente raison que c'est la manière d'exploiter l'énergie nucléaire qu'aujourd'hui les hommes savent maîtriser de manière industrielle. Un atome, on dit qu'il est fissile s'il est capable de se casser en deux morceaux. Voilà. En deux ou plusieurs du reste. Deux gros morceaux et des petits. Dans quelques cas très rares, cette fission est quelque chose qui se produit spontanément. C'est-à-dire que la désintégration radioactive du noyau, au lieu d'émettre un électron, un positon, une particule alpha, etc., crac, il se casse en deux. Voilà, c'est comme ça qu'il résout son problème d'instabilité. Ça marche aussi chez les couples. Donc, mais ce n'est pas fréquent. Il est moins fréquent que chez les couples parisiens. La deuxième cas de figure qui peut arriver, c'est que l'absorption d'un neutron à la bonne énergie rende le noyau instable. Et alors là, par contre, il se met à fissionner très rapidement derrière. Et, par exemple, l'uranium-235 aime beaucoup fissionner de cette manière. Vous prenez de l'uranium, donc avec 92 protons et 235 nucléons, vous lui envoyez un neutron à la bonne vitesse, il l'absorbe, et il va fournir deux nouveaux noyaux, plus petits, évidemment, quelques neutrons et du rayonnement gamma.
Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, donc ce noyau qui est apte à se casser en deux une fois qu'on lui a envoyé un neutron est un noyau fissile. Il faut qu'il reçoive l'uranium, ce n'est pas vrai pour tous les noyaux, mais l'uranium, il faut qu'il reçoive un neutron qu'on appelle un neutron thermique, c'est-à-dire qu'il est grosso modo en équilibre avec son milieu à quelques centaines de degrés Celsius, donc que son énergie soit inférieure, on va dire, à un électronvolt en ordre de grandeur, et à ce moment, il va se casser en deux, il va fournir des produits de fission, qui sont des noyaux qui seront animés d'une énergie cinétique. Donc une partie de l'énergie libérée par la fission, c'est l'énergie cinétique des produits de fission. Il va fournir des neutrons, qui sont des neutrons beaucoup plus énergétiques que le neutron qui lui a permis de fissionner, puisque ces neutrons-là, ils ont une énergie qui est typiquement de l'ordre de 2, un peu plus, un peu moins, millions d'électronvolts, et du rayonnement gamma. Alors là, je ne vous ai pas qualifié X et Y, mais voilà un exemple de fission possible de l'uranium, c'est qu'ils fournissent du krypton et du barium, et 4 neutrons. Voilà, c'est un exemple. Mais il n'est pas obligé de donner toujours du krypton et du barium. Il peut donner d'autres choses. Alors on va rester un peu sur cette relation et voir ce qu'elle signifie en pratique si on veut faire des réacteurs qui soient capables d'exploiter, alors réacteurs simplement parce que ça réagit, hein, qui soient capables d'exploiter cette énergie. On va commencer par s'intéresser aux produits de fission. Les produits de fission, ils sont l'objet d'une courbe en forme de dos de chameau, non pas de dromadaire. Vous avez ici la distribution des produits de fission après une réaction de fission concernant l'uranium. Donc vous allez avoir un premier pic de concentration des noyaux formés aux alentours de 90 de masse atomique. Là-dedans, vous allez par exemple trouver le krypton, vous allez par exemple trouver le strontium. L'un des isotopes, l'un des produits de fission classiques dans la fission de l'uranium, c'est le strontium-90, produit de fission qui est lui-même radioactif. Et là, vous allez trouver le césium et l'iode, qui sont aussi, pour ceux d'entre vous qui ont déjà un peu regardé ce genre de sujet, des produits de fission très courants dans la fission du noyau d'uranium et qu'on va retrouver dans les déchets radioactifs et puis dans l'environnement si jamais cette affaire a le mauvais goût d'aller se promener ailleurs. Il y a par contre des noyaux qui ne sont faits qu'en toute petite quantité, ceux qui sont, vous allez voir, entre 110 et 120 de masse atomique, et puis il y en a qui ne sont pas faits du tout. Donc ce genre de réaction ne libère pas de noyaux de masse atomique inférieure à 70 et ne libère pas de noyaux de masse atomique supérieure à 160. Tous ces produits sont en général radioactifs. Donc vous êtes dans le cœur du réacteur, le noyau d'uranium a été cassé en deux. Vous vous retrouvez avec vos deux produits de fission. D'abord, ils ont de l'énergie cinétique. Et ensuite, ils sont radioactifs. Ça veut dire qu'eux-mêmes vont contribuer à rajouter des particules en circulation dans votre réacteur. Ils vont émettre des électrons, ils vont émettre des positons, ils vont émettre des neutrons, ils vont émettre un certain nombre de choses. Ou bien, ils auront la faculté d'absorber des neutrons. Donc vous avez des produits qui commencent à se balader dans le cœur de votre réacteur et dont vous devez tenir compte dans le pilotage de la réaction de fission. La deuxième chose que vous obtenez donc en sortie d'une fission, c'est des neutrons. Et comme vous avez vu, ces neutrons, ils vont à une vitesse bien trop importante pour être capables eux-mêmes d'engendrer une réaction de fission derrière. Donc on va avoir besoin de les ralentir. Alors les ralentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les faire se cogner contre des particules qui ont une masse pas très différente de celle d'un neutron, donc ça veut dire des atomes dont le noyau n'est pas très élevé en masse atomique, hein, des petits noyaux, pour que, exactement comme avec un système de boules de billard, les neutrons se cognent successivement aux petits noyaux et finissent par perdre de l'énergie comme ça. Vous savez que si vous avez une collision parfaitement élastique avec un objet d'une masse infinie parfaitement immobile, eh bien la particule qui se cogne repart avec une énergie cinétique identique à celle qu'elle avait en arrivant. Hein, pour qu'elle perde de l'énergie cinétique, il faut que l'objet dans lequel elle tape puisse se déplacer. Et plus il peut se déplacer facilement, plus il est petit, et plus elle va perdre d'énergie cinétique. C'est exactement le même principe. Alors dans un réacteur, vous avez donc votre fission qui se produit, et vous allez mettre ce qu'on appelle un modérateur, qui peut parfois être le caloporteur du reste, c'est-à-dire le fluide qui est chargé de récupérer la chaleur, qui va contenir des petits noyaux, et qui vont permettre de ralentir les neutrons qui se baladent. Un exemple typique de modérateur qui est aussi un caloporteur, c'est l'eau.
hein, parce que dans l'eau, vous avez des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hydrogène, c'est pas très lourd, et puis même les noyaux d'oxygène, c'est pas encore extrêmement lourd. Un autre exemple de modérateur, c'est le graphite. Le graphite est composé d'atomes de carbone. Le carbone, avec 12 de masse atomique, c'est encore des noyaux qui sont relativement légers et qui peuvent servir à ralentir des neutrons. Voilà. Des fois, le modérateur et le caloporteur ne sont pas les mêmes. Mais en général, dans un certain nombre de dessins de réacteurs, c'est la même chose. Et puis, vous allez également avoir des éléments qui, ou bien sans qu'on leur demande rien, ou bien à la demande, vont être capables d'absorber les neutrons. Alors, les éléments qui, sans qu'on leur demande rien, vont être capables d'absorber les neutrons, c'est les produits de fission, par exemple. Certains produits de fission sont ce qu'on appelle neutrophiles, c'est-à-dire que on va passer un neutron, gloup, trouve que ça a bon goût et ils le mangent. Et puis, vous avez certains noyaux lourds. Par exemple, quand vous faites fonctionner un réacteur dans lequel vous avez mis à la fois de l'uranium-235 qui est fissile et de l'uranium-238, que vous trouvez aussi dans l'uranium naturel, l'uranium-238, lui, il a l'aptitude à absorber un neutron sans rien faire. Enfin, si, vous allez voir qu'il fait quelque chose, mais plus tard. Voilà. Mais en attendant, il l'absorbe, crac, ce neutron n'est plus disponible pour une réaction de fission. Donc, vous allez avoir des neutrons rapides. Ils vont être modérés en nombre plus grand que 1. Ils vont être modérés par des noyaux légers qui se trouvent dans le cœur de votre réacteur, et une partie va être absorbée, sachant que le but du jeu, c'est que pour une réaction de fission, vous vous retrouviez à l'arrivée avec très exactement 1, et quand je dis très exactement 1, c'est vraiment quelque chose auquel les réacteurs sont extrêmement sensibles. Donc un réacteur nucléaire se pilote avec je ne sais pas combien de décimales derrière le 1, c'est quelque chose où on surveille ça comme le lait sur le feu. Il faut que vous ayez exactement 1 neutron thermique à l'arrivée. Si vous avez 1 plus epsilon et que vous laissez le truc sans contrôle, boum, c'est exactement ce qui se passe dans une bombe nucléaire. C'est exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl. J'aurai pas le temps de vous parler en détail des caractéristiques techniques de l'accident, mais en fait, il se trouve que le cumul d'un défaut de conception sur le réacteur et d'une bêtise faite par les opérateurs à la demande de leur hiérarchie a abouti à une réaction qui a divergé, qui a fait ce qu'on appelle une excursion de puissance, c'est-à-dire que le système s'est retrouvé hors de tout contrôle dans un état dans lequel une fission a produit plus de 1 neutron thermique et le truc a... qu'est-ce que je veux dire, a explosé. Ce qui a explosé, c'est l'hydrogène, mais il s'est emballé. Vous avez bien évidemment de la chaleur qui est dégagée dans cette affaire. La chaleur, c'est l'agitation qui est communiquée aux atomes du modérateur et aux atomes du caloporteur par le flux neutronique et évidemment par les chocs avec les produits de fission qui sont animés eux aussi d'une énergie cinétique. Donc voilà en gros comment ça marche à l'intérieur d'un réacteur. C'est sur le principe très simple et en pratique extrêmement compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait également des neutrons qui pouvaient être absorbés et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle des transuraniens. Donc, un noyau d'uranium non fissile, en l'occurrence de l'uranium-238, absorbe un neutron, puis fait une désintégration bêta, puis une deuxième désintégration bêta, et comme ça, il grimpe le long de la classification des éléments pour faire des éléments dont le nombre de protons est plus élevé que celui de l'uranium. Donc vous avez dans votre réacteur, là si vous le faites fonctionner à de l'uranium enrichi, donc il y a du 235, et si vous avez juste du 235, c'est une bombe atomique, donc vous ne pouvez pas en faire un réacteur. Pour en faire un réacteur, il faut que vous ayez du 235, mais pas trop, et donc il vous reste également du 238, qui est l'autre isotope de l'uranium naturel, qui est présent à peu près à 99,3% si ma mémoire est bonne dans l'uranium naturel. Et donc il est présent dans votre réacteur, et celui-là, il est neutrophile. Donc vous lui envoyez un neutron à la bonne vitesse dessus, crac, il absorbe le neutron, et il se transforme en uranium 239, qui va finir par se désintégrer et former du plutonium. Donc là, il n'a pas fissionné, il a juste absorbé le neutron. Par contre, il se trouve que le plutonium, lui, est fissile. Donc vous avez des produits secondaires qui apparaissent dans votre réacteur, qui peuvent être soit des mangeurs de neutrons, soit éventuellement des produits fissiles eux-mêmes. Et puis vous obtenez également du rayonnement gamma dans cette affaire contre lequel il vaut mieux se protéger. On vient donc de voir que l'uranium-238 était capable d'engendrer la fabrication d'un nouvel élément fissile,
ou plus exactement, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est ça qu'on va voir, par double désintégration bêta, le plutonium, exactement comme l'uranium, le plutonium-239, et avec lui tous les isotopes impairs du plutonium, peuvent fissionner, c'est-à-dire que de nouveau, si on leur envoie un neutron à la bonne vitesse, ils sont capables de se couper en deux avec des produits de fission. Vous avez donc, en ce qui concerne l'uranium-238, une caractéristique qu'on appelle non pas d'être fissile, mais d'être fertile. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer un neutron, on en envoie deux, et à ce moment, on obtient quelque chose qui se casse en deux et de l'énergie. D'accord ? Donc, en gros, pour exploiter l'énergie de fission de l'uranium, ou bien vous avez un fusil à un coup, c'est l'uranium-235, ou bien vous avez un fusil à deux coups, c'est l'uranium-238. Le premier coup le transforme en plutonium, et le deuxième coup, avec deux désintégrations bêta intermédiaires, et le deuxième coup va le faire fissionner. Sauf que le neutron qui va permettre au plutonium de fissionner, lui, il ne doit pas avoir la même énergie que celui qui permet à l'uranium de fissionner, il doit aller beaucoup plus vite. Il doit être beaucoup plus énergétique. Il doit, en gros, avoir une énergie de l'ordre du million d'électronvolts. Ça vous explique pourquoi les réacteurs nucléaires qui sont capables d'exploiter l'énergie du plutonium, on les appelle souvent des réacteurs à neutrons rapides. Quand le dessin du réacteur, c'est de permettre, de fonctionner essentiellement avec du plutonium dans la réaction de fission, on les appelle des réacteurs à neutrons rapides ou des réacteurs rapides. Les éléments fertiles, vous en avez deux dans la nature. Donc là, je viens de vous parler de l'uranium-238, un neutron plutonium-239. Vous avez également le thorium-232, qui est un élément fertile et qui, lorsqu'il prend un neutron à la bonne vitesse dans un réacteur, là aussi, vous fait avec juste une désintégration bêta... vous faites de l'uranium-233, qui est lui fissile. Alors, l'uranium-233 est fissile, mais il a une demi-vie qui est beaucoup trop courte pour qu'on en trouve dans l'uranium naturel. Je vous rappelle encore une fois que l'uranium naturel est un uranium qui a été formé dans la génération d'étoiles qui a précédé la Terre. Donc, vous ne pouvez pas trouver dans l'uranium naturel de produits qui aient des demi-vies de 10 000 ans ou même d'un million d'années. Hein. Vous ne trouvez que des produits qui ont quelques milliards d'années comme demi-vie. C'est typiquement le cas de l'uranium-238. Parce que sinon, ils ont été formés il y a trop longtemps pour qu'on puisse en trouver dans la croûte terrestre. C'est cette caractéristique qu'ont plus exactement les noyaux fertiles de pouvoir engendrer des noyaux fissiles dans le courant même de la réaction nucléaire qui fait qu'on appelle les réacteurs qui exploitent ces éléments-là des réacteurs surgénérateurs. En fait, ils ne sont pas surgénérateurs, ils seraient plutôt régénérateurs. En d'autres termes, la réaction de fission entretient la fabrication de nouveaux combustibles à partir d'un matériau fertile. C'est ça le principe du réacteur surgénérateur, c'est que vous avez un matériau simplement fertile et la réaction de fission entretient, en temps réel j'allais dire, l'apparition de nouveaux matériaux fissiles. Ils ne sont pas vraiment surgénérateurs. Si on regarde la chronologie des appareils qui permettent d'exploiter cette énergie nucléaire, l'histoire a commencé en 1942 avec la pile de Fermi. Alors la pile de Fermi, elle n'avait pas vraiment une vocation électrogène. Elle s'inscrivait, comme vous le savez probablement, dans le cadre de la course à la bombe qui a été initiée par les Américains dans le cadre du Manhattan Project. Et elle avait une puissance de 0,5 watts. Voilà, donc c'était une pile vraiment au vrai sens du terme. Un peu comme une pile de lampe de poche. Mais ça suffisait, en l'occurrence, pour ce qu'ils avaient besoin d'en faire, mais c'est quand même un truc qui faisait quelques mètres cubes pour 0,5 watts. Les premiers réacteurs électrogènes en France qui aient eu une taille significative sont apparus dans les années, à la fin des années 50. Les premiers, le début de la génération actuelle, ceux qui sont actuellement utilisés dans le parc français, c'est plutôt le début des années 70. Alors ici, Le numéro fait référence à la puissance électrique du réacteur en question. Ça veut donc dire qu'un REC 900, c'est un réacteur qui vous crache 900 MW électriques de puissance nominale.
Et à cause du rendement des centrales nucléaires qui est grosso modo de l'ordre du tiers, ça veut dire que la puissance thermique qui est libérée dans le cœur du réacteur, c'est à peu près 3 fois ça. Hein? Donc c'est à peu près 2,7 gigawatts. REP, ça veut dire réacteur à eau pressurisée. Ça veut dire que le caloporteur à l'intérieur du cœur, c'est de l'eau sous pression. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un caloporteur qui fait aussi le modérateur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La génération la plus récente, ou exactement la version la plus récente des réacteurs actuellement en service dans le parc français s'appelle le N4. Et on considère qu'on est toujours dans les réacteurs de deuxième génération. Après, vous avez ce qu'on appelle la troisième génération. Il n'y a pas de révolution conceptuelle par rapport à la génération précédente. C'est, on va dire, de l'amélioration continue. De l'amélioration continue significative, mais ça reste de l'amélioration continue. Donc on brûle un peu mieux le combustible qui se trouve dans le cœur, la sécurité est un peu augmentée, on a, etc. Enfin voilà, ça fait un peu moins de déchets. Il n'y a pas de changement significatif en termes de dessin. Ça, c'est l'EPR, dont une tête de série est en construction en France ainsi qu'en Finlande. Et enfin, je vous parlerai un peu après de ce qu'on appelle la génération 4, c'est-à-dire ce qui est actuellement dans les planches à dessin des industriels qui construisent des réacteurs nucléaires, parce que là, il commence à y avoir des ruptures significatives en termes conceptuels qu'il n'y avait pas dans le cadre de l'EPR. Alors un réacteur, pour fonctionner, ça a besoin de combustible. Ce n'est pas un combustible qui brûle, mais enfin, c'est quand même un combustible. Et en gros, voilà comment ça fonctionne. L'histoire commence dans une mine d'uranium. Une mine, c'est un dépôt, c'est une concentration que vous avez, c'est une formation géologique en fait, hein, que vous avez quelque part dans la croûte terrestre, c'est-à-dire que par le jeu de la formation des continents, il y a des endroits où vous avez plus d'uranium que d'autres, et où vous allez avoir envie d'aller creuser, prendre ce qui vous intéresse, laisser ce qui ne vous intéresse pas de côté, et passer à l'étape suivante, qui est que quand vous retirez une tonne de quelque chose d'une mine d'uranium, en fait, votre quelque chose contient énormément de trucs qui ne sont pas de l'uranium et à la concentration de quelques pourcents de l'oxyde d'uranium. Il n'y a que ça qui vous intéresse, donc il faut commencer par séparer mécaniquement l'oxyde d'uranium de tout le reste qui ne vous intéresse pas. Puis vous allez en faire une espèce d'agrégat, que dans le jargon des gens qui font de l'extraction minière d'uranium, on appelle du yellow cake. Et c'est cet agrégat que vous allez faire rentrer dans une espèce de ronde. La ronde est la suivante. Dans votre uranium naturel, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez deux isotopes qui sont présents de manière significative. L'isotope à 238 nucléons, qui fait 99,3%, et l'isotope 235, qui fait 0,7%. Vous avez un dessin de réacteur nucléaire dans le monde, proposé par les Canadiens, qui s'appelle le CANDU, dans lequel vous êtes capable de rentrer l'uranium naturel tel que. Vous n'avez pas besoin de l'enrichir, vous le faites directement rentrer dedans. Ça, c'est un avantage. Par contre, le gros inconvénient, c'est que vous êtes capable de faire ressortir le combustible alors que le réacteur est en cours de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui rend le réacteur extrêmement proliférant parce que c'est une manière très facile de fabriquer du plutonium-239 qui est la matière première pour fabriquer des bombes atomiques. Donc, la majeure partie des gens dans le monde fonctionne avec un système différent. Le système consiste à enrichir l'uranium, c'est-à-dire avec des procédés qui sont essentiellement des procédés physiques, qui se basent sur le fait que l'uranium-238 est un tout petit peu plus lourd que l'uranium-235, à séparer les deux isotopes pour avoir un peu plus de celui qui vous intéresse, qui est fissile, dans le matériau à l'arrivée. Alors en pratique, le procédé qui aujourd'hui tient la corde est ce qu'on appelle l'ultracentrifugation. Vous prenez votre uranium, vous l'associez à ce qu'il faut pour que ça devienne gazeux. Il y a du fluor dedans, mais je ne sais plus exactement. Ça doit être UF6, si ma mémoire est bonne. Et vous mettez ça dans des centrifugeuses, ou plus exactement dans des dispositifs dans lesquels vous allez faire tourner le gaz, avec l'idée que là où vous avez de l'uranium-238, il migrera un peu plus vite vers la périphérie. Et avec un système d'écope
qui ramasse le gaz à la périphérie, vous allez enrichir d'un côté en uranium-238 et donc de l'autre côté, par contre-coup, en uranium-235. Et puis vous faites passer votre gaz dans des milliers de dispositifs comme ça en cascade, et à l'arrivée, vous avez un gaz qui est significativement enrichi en isotope 235 pour la sortie qui vous intéresse. Évidemment, puis après vous refaites de la chimie et vous retransformez ça en oxyde d'uranium. Évidemment, dans le processus, vous avez aussi produit ce qu'on appelle de l'uranium appauvri, c'est-à-dire un uranium qui est très enrichi, qui contient quasiment plus d'uranium 235 et qui ne contient quasiment que de l'uranium 238. Alors on en fait des choses diverses, on peut tirer sur les ennemis avec, mettre ça dans la quille des bateaux, parce que c'est un métal extrêmement lourd, ou le laisser soigneusement de côté, parce que c'est la matière première qui permettra de faire fonctionner les surgénérateurs demain, peut-être, s'il y a un déploiement significatif. Une fois que vous avez votre matière première, vous allez faire des assemblages de combustible. Alors les assemblages de combustible, en pratique, ce sont ce qu'on appelle des crayons, c'est-à-dire des gaines en métal, dans lesquelles vous mettez des pastilles d'oxyde d'uranium, et c'est ces espèces de châteaux d'assemblage que vous allez placer dans le cœur du réacteur, au milieu du caloporteur. Ça va rester quelques années dans votre réacteur, le temps que la réaction de fission consomme à peu près tout l'uranium 235 que vous aviez mis dans votre assemblage. Et en sortie, vous retirez donc les assemblages une fois qu'ils ont vécu dans le réacteur pendant quelques années. Donc les opérations de chargement et de déchargement, c'est un peu plus compliqué que pour une centrale à charbon. Et ça explique aussi que vous ayez besoin périodiquement sur ce genre de dispositif d'opération de maintenance que vous devez planifier à l'avance. Et si au moment où vous avez planifié votre opération de maintenance, il y a une partie des centrales des voisins qui sautent, ou il y a une canicule, ou il y a un hiver froid, ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas mobiliser la centrale instantanément pour faire l'électricité dont vous auriez besoin. Hein. Ça fait partie des faiblesses du système, c'est que vous devez planifier, alors si vous êtes bien organisé, c'est pas grave, mais vous devez planifier le moment où vous allez arrêter votre centrale, et quand vous l'avez arrêté, c'est en général pas pour une heure. Donc vous sortez votre assemblage une fois qu'il a été, il a fait son travail, et là vous allez l'envoyer dans un endroit où vous allez le traiter. Alors le traiter, ça veut dire que vous récupérez ce que vous avez à l'intérieur des tubes, et derrière vous avez deux options. La majeure partie des pays choisissent de prendre de ces espèces de tubes hachés, de les mettre dans un container et de les stocker dans un endroit en attendant de voir plus tard. Donc ça, c'est par exemple l'option prise par les Américains. Les Américains souhaitent sortir les assemblages des centrales nucléaires et les stocker sous la Yucca Mountain en disant ça c'est un déchet, ça ne nous intéresse plus. Et puis vous avez l'option qui a été prise par les Français, les Japonais, sauf qu'ils font faire ça chez nous, et les Anglais, et ils font ça chez eux pour partie, qui consiste à dire je sors le combustible usé de l'assemblage de crayons, je récupère ce qui est récupérable à l'intérieur, et vous allez voir quoi, et ce qui n'est pas récupérable et qui n'est pas très radioactif, je le stocke en surface dans un coin. Et ce qui n'est pas récupérable et qui est extrêmement radioactif, j'en fais des blocs de verre vitrifiés, et ça, je les mets à la hâte pour le moment, en attendant éventuellement de les enfouir à bure par quelques centaines de mètres de fond. Ce que font les Français donc, c'est qu'en sortie de ce qu'on appelle le retraitement, mais qui en fait devrait être dit traitement, c'est simplement un traitement, c'est de récupérer le plutonium qui s'est formé dans l'uranium, enfin à partir de l'uranium 238, parce que ce plutonium étant fissile, on va le mélanger au combustible neuf pour mettre ça dans des réacteurs qui vont être capables de manger ce mélange d'uranium 235 et de plutonium 239. Avec cette petite subtilité technique que, comme vous l'avez vu, ce n'est pas des neutrons à la même vitesse qui font fissionner les deux noyaux. Donc c'est des réacteurs. Les réacteurs qui mangent le MOX, là, le Mixed Oxide, c'est des réacteurs qui nécessairement sont gérés un peu différemment de ceux qui mangent juste de l'uranium 235. Une fois que je vous ai montré ce petit diagramme, vous comprenez que s'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre en direct dans le fait de casser des noyaux d'uranium en deux, par contre, vous en avez un peu à côté. Un peu ou beaucoup, on va voir. Vous en avez dans l'industrie minière amont. Parce que pour sortir le minerai d'uranium de terre, il faut, comme dans n'importe quelle exploitation minière, des gros dumpers avec des grosses roues et des gros tractopelles, etc.
Il en faut dans l'opération d'enrichissement, qui, soit dit en passant, est extrêmement électro-intensive. Il en faut dans la fabrication de la centrale, de l'énergie fossile, parce que là, vous avez besoin de béton et d'acier, et pas qu'un peu. Il en faut pour partie dans les transports associés de personnes et de marchandises, etc. Donc, il en faut quand même un peu avant, après et, j'allais dire, au milieu. Et la question est de savoir, c'est si on met tout ça bout à bout, est-ce que c'est beaucoup plus ou est-ce que ça reste quand même significativement moins que ce qu'on a avec les centrales à combustible fossile? Alors, vous avez ici une partie de la réponse, et même l'essentiel de la réponse, c'est-à-dire les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure électrique produit pour un certain nombre de dispositifs de production d'électricité. Vous voyez qu'en gros, on a deux grandes familles qui se dégagent. Ou bien vous fonctionnez avec des combustibles fossiles et à ce moment, vous êtes dans la gamme du 500 grammes et plus de CO2 par kilowattheure électrique. Ou bien vous êtes dans la gamme des productions électriques pour lesquelles vous avez essentiellement besoin de fabriquer le dispositif de production, de le maintenir et d'assurer l'amont et l'aval. Et à ce moment, vous êtes dans des ordres de grandeur qui sont au moins un zéro en dessous. Hein. Donc, dire que le nucléaire est une énergie sans carbone, stricto sensu, c'est faux. Par contre, dire, et encore une fois, c'est les ordres de grandeur qui comptent, que c'est une électricité qui est fournie avec beaucoup moins de carbone que quand on utilise du gaz, du charbon ou du pétrole, c'est parfaitement vrai. Hein? Oui, oui. Il n'y a que ça qui peut... Enfin, je veux dire, dans le CO2 lié au nucléaire, il ne peut y avoir que ce qui est annexe. Puisqu'encore une fois, le fait de casser des noyaux d'uranium en deux, c'est pas oxyder des atomes de carbone. Donc ça ne fait pas de CO2. Donc là-dedans, il y a tout l'annexe. Hein. Alors, dans ce qui peut faire varier la barre, ici, il peut y avoir, par exemple, des considérations sur la partie non nucléaire dans l'électricité d'enrichissement. Mais en général, les gens qui enrichissent de l'uranium, c'est qu'ils ont un parc nucléaire et ils dédient un réacteur à ce genre de truc. Voilà, donc voilà, on va dire que ça donne de bons ordres de grandeur. Vous voyez également, en regardant ce graphique, qu'entre le gaz et le charbon, vous avez un facteur 2 en ce qui concerne les émissions de CO2 dégagées par kilowattheure, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Hein. Alors, pardon, ça c'est le... Tiens, je vous parlais tout à l'heure de la perception du public et de la réalité. Quand on va demander à vos collègues sortis de l'école quelques années avant ou quelques dizaines d'années avant de faire ce genre de calcul, voilà ce qu'ils disent. Puis maintenant, vous avez une deuxième manière de prendre le problème, qui est de prendre les gens dans la rue et de leur demander ce qu'ils en pensent. Alors, vous avez ici le résultat d'un sondage qui a été effectué en 2006, mais à mon avis, aujourd'hui, ça ne serait pas très différent, auquel on demandait aux personnes de dire, pour un certain nombre de causes, s'ils pensaient que c'était à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre significatives. Alors, vous voyez tout à fait en haut la déforestation, l'utilisation personnelle de la voiture, etc. Et alors, regardez bien la hiérarchie respective de ces deux postes, parce que c'est quand même assez marrant. Vous voyez qu'un Français sur deux pense de manière certaine que le charbon fait des émissions significatives de CO2 quand on fait de l'électricité avec. Eh bien, ils sont plus nombreux que ça à penser que c'est également le cas avec l'électricité d'origine nucléaire. Ça, c'est un très bel exemple. Il y en a plein d'autres. C'est un très bel exemple de situation dans laquelle, encore une fois, ce que savent les gens qui savent ne correspond pas à ce que savent les gens qui ne se sont pas particulièrement intéressés au sujet et qui ont une lecture journalistique sur la question. Quelque chose que je ne vous ai pas montré quand je vous ai parlé du changement climatique, mais qui aurait été exactement dans le même esprit, c'est quand on demande aux Français, pour vous, le changement climatique, c'est quoi ? Eh bien, la réponse spontanée qui vient en premier, pour à peu près un tiers des personnes, c'est le trou dans la couche d'ozone. Voilà. Ah bon. Donc, c'est... Rappelez-vous encore une fois que dès que vous avez des matières techniques et compliquées, la situation dans laquelle il n'y aura pas de hiatus avec les gens avec qui vous devez travailler sera exceptionnelle. Hein? La règle, la situation normale, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels les gens que vous aurez en face de vous ne comprendront pas pourquoi vous avez une position qui est A, alors qu'eux, ils sont intimement persuadés que la vérité, c'est B. C'est cette histoire de CO2, qui, en l'espèce, comme vous pouvez le voir, et malheureusement ne correspond, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, ne correspond pas à une réalité, ça n'est qu'un des éléments sur lequel le nucléaire est à l'origine de débats,
Alors, ces débats peuvent porter sur les déchets, sur les accidents, sur le fait que prendre des rayonnements ionisants ne soit pas bon pour la santé, sur le coût réel du nucléaire, sur l'opacité des gens qui s'en servent, sur le fait qu'il n'y a pas assez d'uranium et donc que ce n'est pas la peine d'en faire, etc. En clair, bien évidemment, et c'est normal, et c'est même souhaitable, chacune des caractéristiques de l'énergie nucléaire peut donner lieu à débat. Je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de vous passer tout ça en revue. Je vais juste faire une considération générale là-dessus, qui est que si on se pose la question qui est « est-ce que le nucléaire est un truc génial ?», on se trompe de question. La question n'est pas, ni pour le nucléaire, ni pour aucune autre technique que nous pouvons utiliser, « est-ce que c'est un truc génial ?». La question est toujours la même, c'est « est-ce que c'est mieux ou moins bien que ce que ça remplace ?». C'est toujours comme ça qu'il faut se poser la question. Donc la question n'est pas de savoir si le nucléaire c'est génial, la question est de savoir si le nucléaire c'est mieux ou moins bien que pas d'électricité à la place de l'électricité nucléaire ou de l'électricité au charbon à la place de l'électricité nucléaire. C'est ça la question. C'est pas encore une fois de savoir si dans l'absolu, parce que dans l'absolu le monde parfait n'existe pas. Hein. La question est toujours de savoir si l'ordre de mérite, on le traite de manière correcte ou on met les trucs dans n'importe quel sens et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ce que je vous dis là est aussi vrai, j'aurais pu le préciser à cette époque-là, pour le pétrole et le gaz et le charbon dont je vous ai parlé. Enfin, la dernière chose, on verra ça quand on parlera des renouvelables, mais j'y viens tout de suite. Les grands concurrents du nucléaire dans le monde ne sont pas les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Les grands concurrents du nucléaire dans le monde s'appellent le gaz et le charbon. Hein. Ça s'appelle pas le pétrole. La part du... Ça, je ne voulais pas amener, c'est dommage. La part du pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire de la majeure partie des pays industrialisés se balade entre 30 et 40%. Et c'est relativement indépendant du fait qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas, je vais y arriver, du nucléaire. C'est relativement indépendant de cette caractéristique. Tout simplement parce que le pétrole ne sert pas à produire de l'électricité, nulle part, sauf en quantité marginale. Ce qui sert à produire de l'électricité dans les combustibles fossiles, c'est le gaz et le charbon. Hein. Donc, retenez qu'après le choc de 1973, les pays qui n'ont pas opté pour le choix nucléaire n'ont pas opté pour ni le pétrole, ni les éoliennes, ni je sais pas quoi. Ils ont opté pour le gaz et le charbon. Donc, dire que le nucléaire permet d'éviter du gaz et du charbon... C'est quelque chose qui peut s'argumenter. Dire que ça permet d'éviter du pétrole, c'est beaucoup plus discutable. On va donc rentrer dans une partie de ces débats en essayant de les traiter de la manière la plus factuelle possible. On va commencer par la question des réserves. Exactement comme pour le pétrole, l'utilisation de l'énergie nucléaire nécessite que nous ayons une ressource non renouvelable à notre disposition qui s'appelle des noyaux d'uranium. Ils sont encore moins renouvelables que le pétrole d'une certaine manière, puisque là, il ne faut pas 50 millions d'années pour les former, il faut 5 milliards d'années ou 10 milliards d'années. Donc, il faut des noyaux d'uranium à notre disposition. Vous avez ici un inventaire qui a été fait de la quantité d'uranium qui est disponible dans la nature, et avec des estimations pour ce qui n'est pas dans les réserves prouvées. Donc vous avez exactement la même classification des réserves que pour le pétrole. Vous avez ce qu'on appelle les réserves prouvées, ou l'équivalent ici, c'est-à-dire les RAR, là, tout à fait à gauche. Ces réserves correspondent à des gisements identifiés, voire déjà en exploitation, et à la fraction minimale qu'on est à peu près assuré de faire sortir de terre au prix donné de la ressource. Donc là, vous voyez qu'à moins de 40 dollars par kilogramme d'uranium, ou à moins de 15 dollars par livre d'oxyde d'uranium, parce qu'on l'a encore, comme dans tous les approvisionnements énergétiques, c'est encore les anglo-saxons qui ont donné le « la », donc on utilise la livre, mais à moins de, parce que dans les matières premières, c'est courant, à moins de 15 dollars la livre d'oxyde d'uranium, eh bien, dans les gisements identifiés, il y a 2 millions de tonnes d'uranium qui sont accessibles de manière à peu près certaine. Si le prix augmente, il y a d'autres gisements qui deviennent économiquement intéressants. C'est-à-dire que le taux de dilution du minerai est trop élevé
pour que ça soit intéressant à 40 dollars le kilo d'uranium. Mais si le kilo d'uranium passe à 80, alors ça devient intéressant de s'attaquer au gisement en question. Ça veut dire quoi que ça devient intéressant? Ça veut dire que les investissements qu'il faut faire et l'énergie supplémentaire et le travail supplémentaire qu'il faut dépenser pour arriver à extraire l'uranium qui est intéressant, ça devient rentable, ça n'était pas à 40 et ça le devient à 80. Vous avez là ce qu'on appelle l'élasticité des réserves au prix, c'est-à-dire que le fait de monter le prix de ce qui vous intéresse permet d'augmenter, d'élargir l'assiette de la ressource récupérable. Si on a le prix de l'uranium qui monte au-dessus de 80 dollars, vous récupérez encore 65, etc. Vous avez donc dans les gisements identifiés 3 millions de tonnes et quelques. À cela, avec le même genre de décomposition, vous pouvez ajouter de l'ordre de 1,5 dans ce qui est, c'est exactement comme pour les réserves de pétrole, dans la catégorie de probabilité juste après. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le quasiment certain, vous êtes dans la catégorie, dans la tranche de probabilité juste après. Et dans cette tranche de probabilité-là, vous avez à peu près 1,5 million de tonnes, c'est une espérance mathématique évidemment, d'uranium qui sont récupérables. Après, vous commencez exactement comme pour le pétrole à faire des calculs sur les bassins géologiques que vous n'avez pas encore explorés ou pas beaucoup explorés, mais dans lesquels vous êtes à peu près sûr, compte tenu de vos connaissances en la matière, que si vous allez chercher, vous trouverez. Donc c'est exactement la même chose que pour le pétrole, exactement pareil. Et à ce moment, vous avez deux colonnes dans lesquelles vous allez mettre, avec des degrés de confiance plus ou moins élevés, des choses qui sont accessibles plus ou moins facilement en fonction des prix. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous faites une espérance mathématique des ressources accessibles, enfin des réserves accessibles plus exactement, vous arrivez à quelque chose, enfin ce qui est le plus probable, c'est qu'il y a aux alentours de 15 millions de tonnes d'uranium accessible. Ce à quoi vous pouvez rajouter un ordre de grandeur à peu près équivalent dans les phosphates qui contiennent de l'uranium en petite quantité, aujourd'hui non exploité parce que c'est économiquement pas intéressant, mais si le prix de la livre d'uranium, d'oxyde d'uranium se met à monter suffisamment haut, ça deviendra intéressant d'exploiter l'uranium qui se trouve dans les phosphates. Vous en avez également dans l'eau de mer, à des concentrations qui sont très faibles, pour un volume total qui est très élevé, et là, vous avez des débats à n'en plus finir pour savoir si oui ou non on arriverait à exploiter cet uranium-là, parce que quand vous regardez la circulation océanique qu'il faudrait mettre en œuvre pour arriver à filtrer l'eau de mer en question pour récupérer l'uranium qui s'y trouve. Vous avez des gens qui disent que ça serait dément, d'autres qui disent que ça serait faisable. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien d'évident. Puis si c'est évident, c'est pas pour la semaine prochaine. Donc dans les ressources minières, on va dire un peu conventionnelles, vous avez n'importe quoi entre 15 et 30 millions de tonnes, peut-être 30 à 40, qui sont éventuellement accessibles aujourd'hui ou plus tard. Vous voyez qu'actuellement, la consommation annuelle est de l'ordre de 70 000 tonnes. Donc on va rejouer au même jeu que celui qu'on avait utilisé quand on s'est intéressé au pétrole, au gaz et au charbon. La question, c'est est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Vous voyez que si on se limite au parc de réacteurs actuels, c'est beaucoup. Si on se limite aux 450 réacteurs actuellement en service dans le monde, fournissant à peu près 15% de l'électricité mondiale et qu'on n'augmente pas la demande d'électricité, et qu'on reste à 15% pour le nucléaire, on a de quoi voir venir. Maintenant, on peut voir les choses autrement. Penser qu'il est souhaitable, ce qui est quelque chose sur lequel je renvoie chacun à sa propre conviction, d'augmenter significativement la production d'électricité d'origine nucléaire, et à ce moment, si on utilise les technologies actuelles, c'est-à-dire les réacteurs à eau pressurisée en cycle ouvert, c'est-à-dire qu'on a un combustible dans un état A, on le fait passer dans le réacteur, on ressort quelque chose, entre guillemets, dans un état B qui n'est plus exploitable pour repasser dans le même réacteur, c'est ce qu'on appelle un cycle ouvert, eh bien, si on utilise les réacteurs de la génération actuelle avec le cycle ouvert, eh bien, vous voyez qu'un développement très significatif du nucléaire bute sur un problème de ressources avant la fin du siècle. Ce qui veut dire que le pic, puisque là aussi il y a pic, les intégrales bornées, ça vaut aussi pour l'uranium, ça veut dire que le pic de la production d'uranium dans le monde, si on n'utilise que de l'uranium-235 dans des réacteurs de type EPR,
ça ne peut pas croître très longtemps au-delà de 2040 ou 2050. Donc on retombe sur des échéances qui sont un peu les mêmes que celles qu'on avait vues pour les combustibles fossiles. Allez, on se prend encore une planche. Par contre, ça ferait à l'évidence, pardon, monter le prix des hydrocarbures, cette affaire. Pas des hydrocarbures, excusez-moi, de l'uranium. Vous voyez bien que si on se rapproche, il va se passer exactement la même chose que pour le pétrole, si on se rapproche d'une zone où ce qui contraint la consommation, c'est la production et non pas la demande, eh bien on devrait avoir une augmentation des prix. Alors la grosse différence entre la production d'électricité à base de combustibles fossiles et la production d'électricité à base d'énergie nucléaire, c'est que dans un réacteur nucléaire, ce que vous payez pour acheter l'électricité, c'est essentiellement autre chose que du combustible. C'est essentiellement autre chose que du combustible. Le prix d'un kilowattheure d'électricité d'origine nucléaire, c'est pour l'essentiel le coût de construction de la centrale, pour une petite partie le salaire des gens qui y travaillent, et dans le coût de construction de la centrale, il faut tenir compte de ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, c'est-à-dire l'argent que vous avez dû emprunter pour construire la centrale et les intérêts que vous devez payer à votre banquier pour rembourser l'argent en question. Et du reste, le coût, quand on fait des calculs sur le coût de l'électricité, les résultats qu'on obtient sont très sensibles à cette valeur-là. Et c'est ce que vous avez dans la partie violette. La partie violette, là, Capital et Operations and Maintenance, eh bien, c'est le coût de construction plus le coût d'entretien de votre centrale, y compris les gens qui y travaillent. Après, le reste, c'est les petits machins. Et vous avez tout à fait en bas le coût du combustible. Alors vous voyez qu'au prix auquel on est habitué à le payer actuellement, ce qui se balade dès là jusqu'à une époque récente et ce qui arrive ici à des époques, sur l'année qui vient de s'écouler, eh bien vous voyez que ça vous joue sur quelques centimes par kilowattheure ou quelques dollars par mégawattheure, cette affaire. Quelques dixièmes de centimes, pardon, par kilowattheure. Donc vous avez ici une très faible sensibilité du coût de l'électricité, oui parce que 1 dollar par mégawattheure, ça fait un dixième de cent, je suis arrivé, par kilowattheure. Donc là en gros vous êtes à 3 cents par kilowattheure, là vous êtes à 4 cents par kilowattheure. Donc vous voyez que d'augmenter significativement le coût de l'uranium, c'est quelque chose qui ne vous fait pas bouger de manière significative le prix de l'électricité. A contrario, si vous avez... je vais toujours finir là-dedans. Vous passez de 40 à 160, c'est-à-dire une multiplication par 4 du prix du combustible. Vous voyez que tout ce qui arrive à votre mégawattheure, c'est en gros de gagner quelques dollars. Dans une centrale à gaz ou à charbon, le prix du combustible, c'est entre 50 et 70% du prix du kilowattheure en sortie de centrale. Là, si vous multipliez le prix du combustible par 4 à l'entrée, vous en voyez un tout petit peu plus la trace à la sortie. Donc, l'un des gros intérêts du nucléaire, c'est que le prix de production du kilowattheure est à peu près fixé le jour où vous avez terminé de construire votre centrale. Ce jour-là, vous savez combien ça vous a coûté de la construire, et vous savez à peu près combien vous allez vendre votre kilowattheure, ou votre mégawattheure, peu importe. Et même si le prix de l'uranium atteint des sommets, ça ne fera pas varier le prix du kilowattheure d'un facteur 10. Alors que si le prix du gaz est multiplié par un facteur 10, le prix du kilowattheure électrique en sortie de centrale à gaz, il va être multiplié pas exactement par 10, mais pas loin. Voilà, je vais m'arrêter sur ces considérations économiques avant 10 minutes de pause, et on se retrouve dans 10 minutes pour parler de la suite.